Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un outil puissant d'Excel qui peut réellement transformer la façon dont vous travaillez avec vos données. Cet outil, c'est Power Query. Que vous soyez débutant ou utilisateur confirmé d'Excel, Power Query est un outil incontournable pour automatiser le nettoyage, la transformation et l'analyse de vos données en un rien de temps. Dans cette vidéo, nous allons bien sûr nous plonger dans un exemple bien concret. Nous allons voir quelques transformations qui pourraient être très très intéressantes. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment Power Query peut vous faire gagner un temps précieux et simplifier votre travail au quotidien. Allez, c'est parti. N'oubliez surtout pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir et à cliquer sur le pouce. À tout de suite. Dans cet exemple peu ordinaire, nous allons voir comment on peut faire des manipulations pas simples au premier abord, mais qui peuvent être tout à fait accessibles avec Power Query. L'exemple que je vais vous montrer est le suivant. J'ai deux tableaux. J'ai importé deux tableaux ou on m'a communiqué deux tableaux. Le problème, c'est que là, j'ai des noms. C'est exactement les mêmes personnes. Si ce n'est que ici, par exemple, j'ai Julie Hart. Et là, dans la deuxième base de données, j'ai Jules Hart. Ici, j'ai Mike Ferra. Et dans l'autre tableau, j'ai Mickey Ferra. Alors moi, je souhaiterais quand même fusionner ces deux tableaux. Le souci, c'est que je n'ai pas de champ en commun. Eh bien, vous allez voir qu'avec Power Query, c'est tout à fait possible de procéder par des fusions, même si les prénoms et noms ne sont pas réellement identiques. Par la suite, et toujours avec Power Query, je séparerai le prénom et le nom, par exemple, de cette colonne. Ici, j'ai né le, donc je souhaiterais que Power Query me calcule aussi l'âge de toutes les personnes. Dans un premier temps, procédons à l'exportation de ces deux tableaux dans Power Query. Alors, bien sûr, je vous recommande, comme d'habitude, de transformer vos plages de données en tableau Excel. Sélectionnez n'importe quelle cellule du tableau. Allez dans Insertion et ici, vous allez cliquer sur Tableau. Moi, le mien, il est grisé. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà transformé, converti ma plage de données en tableau Excel. Comment je peux savoir que c'est un tableau Excel ? C'est très simple. En cliquant dans ce tableau, ici, vous aurez un onglet supplémentaire, Création de tableau. Vous pourriez bien sûr apporter, en cliquant sur Création du tableau, lui donner un nom. Alors, moi, je laisse Tableau 1. Donc, j'ai Tableau 1 et ici, j'ai Tableau 2. Donc, pour exporter ces deux tableaux dans Power Query, je sélectionne n'importe quelle cellule de ce tableau, par exemple, pour le premier. Je vais aller dans Données et ici, à partir de tableau ou d'une plage, je vais cliquer dessus. Donc Power Query s'active et ici, le tableau 1 a bien été importé. Donc dans un deuxième temps, je vais exporter cette donnée directement dans une feuille Excel. Je vais cliquer sur ici, fermer et charger. Une nouvelle feuille va apparaître qui s'appelle tableau 1. Je reviens dans feuille 1 pour aussi faire la même manipulation pour ce tableau. Aller dans données, ici à partir de tableau ou d'une plage. Et là, Power Query s'est ouvert et ici j'ai tableau 1 et tableau 2. Donc là, je vais fusionner ces deux tableaux. À présent, comment fusionner ces deux tableaux, tableau 1 et tableau 2, eh bien, nous allons aller directement dans, ici, accueil, et là, vous avez dans le groupe combiné, fusionner des requêtes. Et vous allez voir que là, ça va un petit peu se compliquer. Alors là, bien sûr, j'ai tableau 2, les données du tableau 2, et ici, je vais sélectionner les données du tableau 1. Alors, si je souhaite fusionner, il faut que je trouve absolument des champs en commun. Alors là, en principe, je vais sélectionner le champ nom du tableau 2 et sélectionner le champ nom du tableau 1. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que la sélection correspond à 0 des 5 lignes de matière de la première table. Pourquoi?
parce que je n'ai pas les mêmes données. Ici, j'ai Jules Hart et ici, Julie Hart. Mickey Ferra, Mike Ferra, Suze North, Suzanne North. Je vais bien sûr trouver la solution. Donc là, vous avez type de jointure. Je vais ici choisir celle-ci. Externe entière, toutes les lignes à partir de deux positions. Je clique dessus. Et ici, j'ai toujours la sélection correspond à 0 des 5 lignes. Donc, il n'y a toujours pas de correspondance. Alors, je vais cliquer d'abord ici, utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fission. Et là, je n'ai qu'une correspondance sur les 5. Alors que moi, je veux toutes les correspondances. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Option de correspondance approximative ». Et là, si je survole le petit « i », on me dit « Cette option indique à quel point deux valeurs doivent être similaires pour correspondre. La valeur minimale est de 0.00, etc. etc. » Donc, il va falloir que je teste. Si je mets, par exemple, ici 0.5, qu'est-ce qui se passe ? La sélection correspond à 5 des 5 lignes. Donc là, il y a toutes les correspondances. À partir de là, je vais cliquer sur OK. Et ici, je vais cliquer sur Tableau 1. Et sélectionner tous les champs. Je vais cliquer sur OK. Comme je peux le voir dans la première ligne, j'ai bien Mickey Ferra et Mike Ferra. Jules Hart et Julie Hart. Mais là, j'ai toutes les données de tous les tableaux fusionnés en un seul tableau. Donc, je vais rapprocher tableau 1, non. Et ici, maintenant, comme la correspondance a fonctionné, je souhaiterais, à présent, séparer le prénom et le nom de ce tableau. Tableau 1, non. Celui-ci, je le supprimerai. Alors, comment faire? Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet « Transformer ». Et ici, dans le groupe colonne texte, vous avez ici fractionner la colonne. Et ici, je vais choisir par délimiteur. Alors, je peux me rendre compte qu'ici, entre le prénom et le nom, le délimiteur, c'est un espace. Donc, je vais mettre espace. Je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai bien le prénom, Mike, et le nom Ferra. Donc, je pourrais aussi, en cliquant deux fois, ici, changer l'intitulé, je vais mettre prénom, et ici, je vais mettre nom. Alors, cette colonne, du coup, la première, je n'en ai pas. Ah oui, alors non, ça existe déjà, donc il va falloir que je supprime celle-ci au préalable, parce que celle-ci, je n'en ai pas besoin. Je clique au droit, et ici, supprimer. Et à présent, je peux ici mettre nom. Je fais entrer. Alors, à présent, ce que je souhaiterais, Ici, j'ai né-le. Donc là, déjà, il va falloir que je change le format parce que là, j'ai les années de naissance ainsi que les heures. Donc ici, je n'en ai pas besoin. Je vais cliquer ici sur tableau 1, né-le, aller dans accueil et là, au lieu de mettre date-heure, je vais mettre uniquement date. Je vais en profiter aussi pour enlever la tableau 1 département. Je vais laisser que département. Ça fera quand même plus propre. La mail, pareil, je vais garder que mail, et ici, né-le, je vais enlever tableau 1, ça c'est le fruit de la fusion hein, qui me donne tableau 1, etc. Et là, je vais, pour avoir une colonne supplémentaire avec les dates, je vais aller dans ajouter une colonne, et ici vous avez date, et là, directement, vous avez l'âge. Alors l'âge va se calculer par rapport à la date système de l'ordinateur. Nous sommes ici le lundi 2 septembre. Donc, je vais cliquer sur « Âge ». Donc là, regardez, j'ai bien des âges, mais en nombre de jours. Moi, ce que je souhaite, c'est des années, bien sûr. Donc, pour avoir l'âge en années, je vais sélectionner cette colonne. Et ici, vous voyez, vous avez « Durée ». Et je vais demander « Durée totale en années ». J'ai à présent ici des chiffres avec des virgules. Je vais, moi, avoir besoin uniquement de valeurs entières. Donc, je vais cliquer ici sur 1 et 2, là. Et là, je vais prendre nombre entier. Voilà, donc là, M. Ferra a 25 ans, etc. Alors, une fois que j'ai
terminé toutes mes transformations, je peux à présent aller dans Fichier, Fermer et Charger. Et une nouvelle feuille apparaîtra avec toute la fusion et tout ce que j'ai fait au préalable. Alors là, je me rends compte qu'il y a une colonne de trop, hein, âge. Ici, là, je vais garder uniquement la colonne J. Donc, si vous avez bien sûr des transformations à effectuer, il suffit ici sur votre droite de survoler cet outil, aller dans Modifier. Et là, vous avez la possibilité d'apporter de nouvelles modifications. Là, par exemple, ici, je vais pour l'âge total année, ça me suffit. Je vais cliquer droit et supprimer et de nouveau fermer et charger. Et là, vous allez voir que ça va se mettre à jour automatiquement, ce qui est fait. Alors, je pourrais bien sûr ajouter une nouvelle donnée. Je vais par exemple mettre, bon là, je ne vais pas mettre la problématique des deux noms. Voilà, par exemple, là, je vais mettre 1000 salariés, 1300, Naël, je vais mettre par exemple Nana. Voilà, Nana. Ici, je vais mettre 13. Donc là, je vais mettre peu importe pour le mail. La date de naissance, j'invente. Je vais mettre par exemple 19-10-1975. Et ici, par exemple, ici, la personne s'est trompée. Elle m'a mis Nani et Nana. Et je vais mettre par exemple, ben, pourquoi pas administratif, et je vais par exemple mettre 26 000 euros. Alors pour mettre à jour bien sûr le tableau qui se trouve dans le tableau 2, il suffit d'aller dans Données, et là vous avez actualisé tout, attendre un petit moment, aller dans Tableau 2, et là vous voyez, tout a été mis à jour. Vous voyez donc, à chaque fois que vous ajoutez de nouvelles données, il suffira d'actualiser et tout le travail que nous avons fait au préalable dans Power Query, ce travail, vous ne le faites qu'une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez surtout pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications sur les vidéos à venir et à cliquer sur le pouce, c'est gratuit et ça fait plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt !